Pas du tout le monde, bienvenue sur Stronghold Definitive Edition. Ce soir, je vous retrouve pour démarrer l'avant-dernière campagne du jeu qui me reste à faire. Donc ça va être la campagne Flamme du Foyer. Il s'agit de la seconde campagne économique du jeu, donc qui est arrivée avec, en même temps que le DLC sur l'extension joyeuse avec la baie des cochons. Donc cette campagne a été gratuite, donc on va la démarrer ce soir et on verra un petit peu ce qui nous attend. Donc c'est parti pour le début de cette campagne, Flamme du Foyer. Salut tout le monde, je vous retrouve sur Stronghold Definitive Edition. Aujourd'hui, je vais tenter de faire la première mission de la campagne Flamme du Foyer, la campagne économique gratuite ajoutée au moment de la sortie du DLC, la baie des cochons. On est parti. La guerre terminée, le royaume se lança dans le long processus de reconstruction. Pour certains, il ne s'agissait que de poser une pierre sur l'autre. Mais dans d'autres contrées dévastées par le conflit, les choses n'étaient pas simples. Le plus gros problème attendait sur les terres de notre capitaine au nord, où rôdaient encore quelques factions ennemies. Le nettoyage allait y être plus délicat. Une fois encore, notre capitaine reçut son ordre de mission. Première mission poche de résistance, alors qu'est-ce qui nous attend ici? L'accès à cette région en ruine n'allait pas être facile. Les troupes ennemies en déroute rôdaient sur la frontière. L'ordre devait être rétabli pour espérer longer la côte vers le nord. Alors, nos objectifs. Donc, ce qui reste des troupes du RAS est établi sur ces collines. Vous n'avez que peu de temps pour les attaquer et amasser les ressources manquantes avant de retrouver le reste de vos dons. Collecter de l'or, 500 d'or, 162 pains, 16 épées et éliminer tous les ennemis. Alors, conseil. Les bûcherons se débrouillent bien en combat. Il vous faudra plus de 2 ou 3 puits ici. Les constructions trop denses peuvent poser problème en cas d'incendie. Ne craignez pas de déclasser les bâtiments et les unités superflues. Passez votre grenier, sire. Ok. Toujours prêt. Ok. Vous ne pouvez pas installer cela ici, monseigneur. Vous ne pouvez pas installer cela ici, monseigneur. Les réserves d'or sont trop faibles, sire. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Hop, un lancier de moins déjà. Dites-nous ce que nous devons faire. Ok. Ah, allons-y. Oui, monseigneur, sans difficulté. Vous pouvez compter sur nous. Nous partons. Où allons-nous? Allons-y. Oui, monseigneur. Toujours prêt. Qu'est-ce qu'on peut sera faire? Ce sera un peu difficile. Dites-nous ce que nous devons faire. Du gâteau. Vous pouvez compter sur nous. Où allons-nous? Ok, on les a eus, là. Une deuxième paume, toujours là. Toujours prêt. Je vais faire un marché ici. Une caserne là. Un message de votre scribe. Pas d'argent dans les caisses. Nos du réserves trésor, de nourriture sire. Sont en baisse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on va commencer à avoir une petite production de lance. Seigneur, le peuple soupçonne un acte de sorcellerie. Du coup, je peux rajouter une troisième pomme. Un message de votre scribe. Je peux pas revendre mon bois pour l'instant. Vous pouvez compter sur nous. Ah, peut-être un peu de bois, mais pas beaucoup.
suite préparer une seconde masure. Vous pouvez compter sur nos réserves de nourriture sont en baisse progressivement. Vous pouvez compter sur nous. Ouais. 8. Où allons-nous? Toujours prêt. Nous partons. Allons-y. Allez, viens à toi. Oui, monseigneur. Pas de problème. Nous partons. Ok, pas mal. Oui, monseigneur. Ce sera facile. Nous partons. Ok, ça fait un contingent de moins, là, c'est bien. Oui, monseigneur. Vous pouvez compter sur nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous partons. Les réserves du grenier sont... Sans difficulté. Allons-y. Du gâteau. Oui, ok, monseigneur. Là on a libéré un peu plus d'espace dans ce secteur, c'est plutôt cool. Allons-y. Il va me falloir d'autres pommes. Nos pommiers n'ont pas de fruits, monseigneur. Le peuple soupçonne un... Je vais rajouter un puits dans le doute. Votre popularité est en baisse. Vous pouvez compter sur nous. Dites-nous ce que nous devons faire. On pourrait libérer la carrière, mais ça va être compliqué. Oui, monseigneur. Il y a encore du monde nous par partons. Là. Les réserves de notre grenier augmentent, sire. Vous pouvez compter sur nous. Ah, ok, 7 lanciers, mais c'est pas assez, hein. Vous pouvez compter sur nous. En vrai, si on libère ce bois-là, on se un met très bien. De votre scribe. Où allons-nous? Oui, monseigneur. Toujours prêt. Le seigneur est attaqué. Pas de problème. Nous partons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sera facile. Sans difficulté. Et des dégâts, toi? Les édifices sont ah, bien joué. Du gâteau. Ah. Ok, vous c'est pas mal. Compter sur nous. On a perdu une cabane de bûcheron, ça va, ça aurait pu être pire. Les réserves de notre grenier augmentent sire. Progressivement, sire. Vous pouvez compter sur nous. Sire. Où allons-nous? Toujours prêt. Okay. On va éviter d'utiliser trop le seigneur à un moment. Donc là, il nous reste encore pas mal de choses à aller chercher. Vous pouvez compter sur nous. Je vais lancer la production de fer là. Hop. Nos pommiers n'ont pas de fruits, monseigneur. Le peuple soupçonne un acte de sorcellerie. Votre popularité est en hausse. Là, je vais rajouter un puits tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez compter sur nous ce que nous devons faire. Bon, en tout cas, ils prennent cher, hein. Ah! Vous pouvez compter sur nous. Allons-y. Où allons-nous? Pas de problème. Oui, monseigneur. Toujours prêt. Vous pouvez qu'est-ce compter qu'on peut ce faire facile. Bien joué. Nous partons. Ça fait deux lancers de moins encore. Dites-nous ce que nous devons faire. Recrue nécessaire. Vous pouvez compter sur nous. Sire. Ok, il y a des lanciers. Ah. Allons-y. Le sans difficulté. Encore un moins. Oui, monseigneur. Nous partons. Allons-y. Vous pouvez compter sur nous. Bien joué. Vous pouvez compter sur nous. Où allons-nous? Oui, monseigneur. Un message de votre scribe. Je vais peut-être dire... Pas assez d'ouvriers disponibles pour gérer... Ça, on libère ça. Et là, on va essayer d'ouvrir tout de suite... J'essaie de faire d'autres pommeries là-dedans.
je vais rajouter un second puits, on sait jamais. Une foire ambulante est arrivée en ville, monseigneur. Le peuple vous vénère. J'essaie de prendre le plus de pognon possible durant la foire. Vous pouvez compter sur nous. Toujours prêt. On est à 13. Allons-y. Oui, on retire ce petit contingent-là. Nous partons. Allons-y, qu'est-ce qu'on peut faire ? Dites-nous ce que nous devons faire. Ce sera facile. Bien joué. Oui, monseigneur. Il reste encore ce groupe-là à aller chercher. Par contre, on va peut-être remettre ça à des taux raisonnables. Je commence à préparer un moulin. Vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur nous. Les édifices sont en feu. Où ça ? Bon, si c'est que le marché. Ça, tu le remets là. Vous pouvez compter sur nous. Allons-nous. Ah, ouais, ok. Toujours prêt. Vous pouvez compter sur nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous partons. J'essaie de les attirer un peu, les titiller. Allons-y. Oui, monseigneur. Nous partons. Sans difficulté. Dites-nous ce que nous devons faire. Allons-y. Oui, monseigneur. J'ai tracé sur les archers. Nous partons. Allons-y. Bon, il ne reste plus que deux là, ça va aller vite. Vous pouvez compter après, sur nous. On va dans le secteur nord aller chercher. Du coup, là je vais... Un message de votre scribe. Je vais me préparer une forge déjà pour démarrer. Et un puits là. Recrue nécessaire, sire. Vous pouvez compter sur nous. Sire. Un fléau est en train de dévaster nos récoltes de blé, sire. On va démarrer, hop, comme ça. Vous pouvez compter sur nous. Ok, on a la première épée qui est arrivée. Un fléau est en train de dévaster nos récoltes de blé, sire. En vrai, là, avec les puits, on est bien couvert, je pense. À part le marché, bien sûr, mais... Bon, le fer, on a ce qu'il faut, ça vient... Mais c'est vrai qu'on n'a pas assez de bois. Ah ! Un fléau est en train de dévaster nos récoltes de blé, sire. Vous ne pouvez pas installer ça. On a déjà 4 qui sont en route. Vous pouvez compter sur nous. Toujours prêt. Vous pouvez compter sur nous. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va peut-être faire un second atelier du forgeron pour accélérer les choses. Vous pouvez compter sur nous. Et là, on libère une forêt en plus. Dites-nous ce que nous devons faire. Pas de problème. Les réserves de notre grenier augmentent. On va remettre en en. Ah ! Okay. Oui, monseigneur. On va libérer une forêt en plus, ça c'est une bonne nouvelle. Ça nous en fait combien là-bas? Ça nous fait 4 bûcherons, là j'en rajouterai 2, ça ferait 6, 7 et un 8. Donc ça, le bois va pouvoir arriver plus rapidement. Ça nous fait 5 boulangeries, ça tourne à 42 pains, donc c'est plutôt cool. Ici, on n'a plus personne, ok.
pouvez compter sur nous. Les épées, c'est parti pour... Toujours prêt. J'ai 11 lanciers de près là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allons-y. Ce sera facile. Oui, monseigneur. Est-ce que je peux peut-être ajouter une longe à bœuf et une carrière? Oui. Pas assez de bois, monseigneur. Bois nécessaire. Là, on a du pain sur la planche, mais bon, ça se passe bien pour l'instant. Je vais pas me plaindre. On a la moitié des épées requises, c'est plutôt pas mal. Sur nous. La peste a envahi notre château, monseigneur. Le peuple. L'heure, on l'a. Vous pouvez compter sur nous. Ah, nous partons. Allons-y. Ok, oui, on attire déjà des troupes, c'est pas mal. Nous partons. Sans difficulté. Du gâteau. Vous pouvez Excellent. Compter sur nous. Allons-y. Pas de problème. Ce sera facile. Où allons-nous? Les gens quittent le château. Ah, qu'est-ce qui se passe? Toujours prêt. Nos réserves d'or augmentent progressivement. Des doutes sur vous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les édifices sont en feu, sire. Heureusement que j'ai mis un puits à côté. Hein. Les gens viennent au château. Les réserves du grenier sont au plus bas, sire. Oh, t'es sérieux, Douis? La propagation d'enculé, là. Bon, on va mettre un troisième puits. Par contre, là, on a perdu beaucoup dans les fermes. Et j'ai rajouté un puits au nord. Les réserves du grenier sont au plus bas, sire. Votre popularité est en hausse. Le tourneur de hop de perche est fait. Le pain, on est bon. Les réserves du grenier sont au plus bas, sire. Nous l'avons presque. Le peuple se réjouit de votre prochain mariage, sire. Ah oui, la pierre peut peut-être commencer à la revendre. Les réserves du voilà. grenier sont au plus Nous bas, Nous perdons sire. Un peu d'argent, monseigneur. Le peuple vous vénère, Nous sire. Perdons un peu d'argent, monseigneur. L'édifice n'a pas de... Alors, ok, bon, sire. On va... Alors, j'ai combien de lanciers, là? Dites-nous ce cinq. Que nous devons faire. Nous n'avons presque plus de nourriture, sire. Je vais rajouter tout de suite une deuxième mine au nord. Vous ne pouvez pas installer cela ici, monseigneur. De toute façon, l'or, on est bon. Il n'y a que le fer, là, à ramener. Il nous reste 6 épées à faire. En vrai, c'est faisable. Et dans le doute, je vais barricader. Je vais rajouter un puits Vous en plus, là. Le grenier est vide, sire. Les réserves de notre grenier augmentent, sire. Je vais peut-être doubler le grenier, comme ça on sera sûr. Voilà. Les réserves de notre grenier augmentent, sire. Je vais peut-être rajouter une troisième mine de fer. Allez, hop. La pierre, ça redégage. Hop. Votre popularité est en hausse. L'or, c'est fait. Tous nos vœux de bonheur.
peux pas acheter du fer, je suppose. Ah si. Tu sais quoi, tac. Comme ça, on est sûr. Et la caserne, plus besoin. Pourquoi s'emmerder quand on peut faire ça? Allez, plus que 3. On surveille quand même, on se relâche pas. Félicitations, votre épouse est magnifique, monseigneur. Travail interrompu, l'édifice est en état de fonctionnement, monseigneur. Tu sais pas, des fois il y a des petits bugs, mais on s'est réglé globalement. La pierre nous donne pas mal de... Cette mine-là, il n'y a pas d'accès, c'est pour ça. Bon, on va la virer, hein. Margot du Bélier, Dame Margot du Bélier, ok. Félicitations, votre ok, c'est gagné. Ça n'a pas été simple hein, avec ce foutu incendie. Mais on a réussi, c'est le plus important. J'espère que cette première mission vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de l'aventure. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.